Bonjour, casquette. Ça cache la calvitie. Bien, aujourd'hui nous allons ouvrir à nouveau une petite inbox de 2000 $. Et comme j'ai toujours pas Dragoon, ben il fallait qu'on ait Dragoon parce que ben on l'a toujours pas. Elle fait chier. Hop, allez c'est parti, on va espérer choper des petites cartes sympas. Alors, les 3 boosters boîte de mémoire perdue 2001. J'aime bien les boîtes de mémoire perdues. J'espère qu'on va la retrouver la mémoire. Alors, on a une petite aile de Pégase. Donc, aile de Pégase. Hein. Si vous avez un monstre union avec Valkyrie, qui je pense peut-être Marine l'intéressera. Ensuite, nous avons Cliffhanger de l'héritage du monde. Un petit Andraqué Dragarde. Acte des voleurs du temps. Pardon. Donc, Time Thief, si je dis pas de bêtises. Ensuite, un traître du chaos. Pomme du savoir. Oh, cheval de mer marincesse. Mais bon, j'en ai déjà plein. Et derrière, nous avons Tangue bleu marincesse. Alors, celle-ci, je crois que j'en avais qu'une. Donc, ça va pouvoir compléter mon petit deck marincesse. Et Chimietta, artisane sorcière et shit. Et pour finir, souvenir d'espoir. Je crois que derrière, après, il y a. Voilà. La petite. Pistil Dragarde, mais ce n'est pas le Dragoon. Crépuscule final, coquille brûlante salamangrande, Sagittaris bête gladiateur, perfection sans défaut du Ténii, confrontation de l'œil maléfique, point du sang égal du Ténii et berserker du Ténii. Bon, ben Dragoon n'était pas dans ce booster. Allons-nous avoir plus de chance dans le prochain. Nous allons le savoir tout de suite. Faudra vraiment que je puisse le sortir parce qu'au prix où il est, ça me fait chier de devoir en acheter un. Alors, Esprit Téni, Mapura, ah, Dino Luther, Chimère T-Rex, Lutte. Alors, lui, il est plutôt pas mal. Dino Luther, Martial Orga. Alors, savoir que mon deck Dino Luther, il vaut pas grand chose parce que j'ai manqué des fusions, donc c'est cool d'en avoir une petite. Monteur Hyper Psychique, Valkyrie Fenfte, Fusion Farstar. Oh, mesmérisme de l'œil maléfique, repos de l'œil maléfique, allez artisane sorcière, c'est Marine qui va être contente avec les trucs de l'œil maléfique, Cerziel, guetteur de l'œil maléfique, oh Gizmek Yata l'avant-garde, alors ça par contre je suis content, un petit Gizmek là qui tombe, ça fait plaisir, un régulateur des voleurs du temps, pourquoi je dis des temps alors que c'est enfin, du temps, c'est 2 temps, Atorix bête gladiateur, Basilus familier de l'œil maléfique, Mandarin Marincesse, Catoblepa, familier de l'œil maléfique, Dino Luther, Valéonix et Randry. Alors ça me fait rire parce que j'ai eu tellement de cartes de l'œil maléfique que j'ai l'impression d'avoir en fait chopé le deck de Marine juste dans cette inbox. Non, j'exagère un petit peu, mais elle a pas mal de cartes de l'œil maléfique, du coup, vu qu'elle a un petit deck. Oh, le petit Fennec! Trop bien, Salamandre Fennec, du coup. Dino Luther Martial Ankylo, Salamandre de l'eau du soleil. Dino Luther Giga Splinovat, Fusion Dino Tyran, ça c'est cool pour la fusion. Roquette Synchronique, Âme désenchaînée de l'angoisse, Brigand d'Endymion, Roche marbrée Marincesse, et. Non. Âme. Oh, l'âme du successeur, c'est pas dégueu en soi. C'est pas dégueu parce que je ne l'avais pas, donc c'est plutôt sympa de l'avoir, mais bon, j'en préfère avoir Dragon. Et ouh, une petite assaut de l'air, As Kaina, alors ça c'est cool. Puisque je me tâte à faire un deck Sky Striker en ce moment, donc du coup ça aide pour l'avoir. Et Testament, Croisédia, Bête Gladiateur Uni, Draperie Artisane Sorcière, Criquet Pèlerin qu'on a en 10 000 exemplaires, Ange de Mer Marincesse, Moine du Téni, et en dernière carte nous avons le BES, Vaisseau Canon Destructeur. Elle n'est pas tombée. J'ai un peu dégoûté, mais j'ai eu quelques cartes. Assez sympa, donc je ne vais pas trop me plaindre, même si bah, je voulais quand même Dragoon, mais voilà. Après, je n'ai pas payé en soi, donc je ne vais pas me plaindre, parce que c'est comme si on me l'avait offert, donc voilà. En tout cas, merci d'avoir vu cette vidéo dans ce nouveau décor, dans lequel il y aura les lives, donc tous les Yugi Samedi, à savoir que maintenant, il y a des invités, des Yugi Samedi, je prends des Yugi-tubers, enfin, je demande aux Yugi-tubers qui veut venir, et il y en a déjà qui viennent, n'oubliez pas, venez samedi. puisque il y a un invité mystère et surprise qui est Antoine Huguillaud. Du coup on va s'affronter en duel, on va discuter. Tout ça, ça va être bon enfant, donc n'hésitez pas à venir. Bah, pourquoi je dis n'oubliez pas, mais qu'est-ce que... C'est la casquette, ça me fait perdre ma tête. Bon merci à vous, à bientôt. Ah putain je peux plus faire ça quand on fond, parce que maintenant une casquette, on me dit que ça va mieux sur le côté qu'en face. Alors sondage, dites-moi, c'est mieux sur le côté, c'est mieux en face. On termine là-dessus.